fait quoi? On échappe au confinement. Ça va durer jusqu'à quelques semaines. Ok. On était en octobre 2025. C'était la 69e vague de la pandémie. Il y avait eu un cas de COVID-19 qui venait d'être déclaré au Burundi. Justin Trudeau venait d'être réélu Premier ministre du Canada. Il a déclaré l'état d'urgence et confiné les 32 millions de Canadiens. Il a donné la PCU à tout le monde. La PCU est de 532 $ par mois. Putain, comment tu voulais qu'on s'en sorte avec 532 $ par mois? À Montréal, il restait 5 restaurants, dont 4 McDonald's, 2 bars, un cinéma et un seul théâtre. Le chômage était à 89%. C'était la merde. Tout le monde était résigné. Tout le monde? Non. Moi et mes amis acteurs, on était tellement déçus de ne pas pouvoir monter notre pièce qu'on a décidé de prendre les grands moyens. C'est notre histoire que je vais vous raconter. Une histoire de larmes et de sang et de weed. C'est pourquoi le gouvernement canadien a pris cette courageuse décision de confiner les 32 millions de Canadiens et Canadiennes pour une durée indéterminée. Ils vont fermer les restaurants, les bars, les salles de spectacle, les cinémas et les théâtres pour un minimum de 2 ans. Mais rassurez-vous, hein, que tout le monde va recevoir la PCU. Que ça va bien aller. Ça va bien aller? Mon cul, ouais. Putain, je suis tellement dans la merde. Ben, t'es pas seul, hein? De quoi tu parles, toi? Hein? Tu comprends pas, là, hein? Putain, moi, avec la PCU, là, je peux plus mâcher de weed. Putain. C'est ça ton gros problème? Moi, avec la PCU, là, je peux pas payer mon loyer, pis je peux pas nourrir mes enfants. C'est atroce. Comment tu vas faire? Je sais quoi. Je parlais pas à toi. Je parlais à jamais. On va être là pour toi, mon frère. Merci. On va pas te laisser tomber. Merci, là. Merci. Surtout que... Bah enfin, voilà. Comme je pouvais plus me payer de potes à l'SQDC, j'ai dû m'approvisionner à des gens irrecommandables, tu comprends? Et je leur dois beaucoup. Beaucoup. D'argent. Et avec la PCU, là, je vais pas m'en sortir, moi. Puis, si j'ai pas le cash, d'ici une semaine, casse les gens, tu comprends? Casse les gens. Oh, c'est triste. Mais toi, là, t'avais juste à pas fumer. Moi, je te parle de nourrir mes enfants, pas de me geler la face. Hey! Ok, ok. On chicane pas. J'ai une solution. Toi, Jamal, tu vas pouvoir payer ton pas cher. Okay, merci. Et toi, Karine, ben, tu vas pouvoir payer ton proprio. Sera blessé si tout le monde se couche. Ça devrait bien se passer, face contre terre. Comme des mains vers le ciel, bien trop d'éther. Miné au point de faire
se braquage tout seul. Je suis à cran parce que la crise devient la cause de mon acrimonie. Vous êtes craint même sous écrou, alors crache ma monnaie ou commence à prier si je vois pas les billets. J'ai plus rien à perdre dans tes problèmes existentiels. Excuse-moi du peu mais je m'en tartine les jumelles. J'ai une belle vie à mener, majeure et vaccinée. La beurre toute la journée, c'est pas tout à fait ce que je m'étais imaginé. Et là mes pas de laine, pas de laine, pas de bol, c'est pas des lol, c'est pas des lol. Dois-je vivre sur un crédit pour pouvoir remplir le caddie au dépit de ma triste vie? Allez, crache le pognon, ça commence à être long. Et vous là, faites pas les cons, sinon le premier qui s'agite verra son nom dans le journal à la rubrique nécrologique. Je rêve d'un coup à la Jacques et Mérine sans trop faire couler d'hémoglobine, mais rien ne se passe comme on l'imagine. Bienvenue dans la casa de Poutine. Je rêve d'un coup à la casa de Papé. Je tentais le coup même si j'étais seule, mais rien ne se passe comme on l'imagine. Bienvenue dans la casa de Poutine. Que j'ai tué des gens cet après-midi, les chiens, c'est pour nous que je fais ça. Les crois pas, mon amour. Une horloge, même arrêtée, donnera l'heure deux fois par jour. J'ai un coup à la Jacques et Mérine sans trop la couler d'hémoglobine, mais rien ne se passe comme on l'imagine. Bienvenue dans la casa de Poutine. J'ai un coup à la casa de Papé. Je tentais le coup, même si j'étais seule, mais rien ne se passe comme on l'imagine. Mais on n'avait pas le choix. J'ai plus d'argent.
on aurait mes enfants. Enfin, ça, c'est pas le plus grave. Moi, là, je peux plus m'acheter de weed. Tu comprends? Y'a aucune excuse à ce que vous avez fait! Vous vous êtes même pas lavé les mains en rentrant! S'il n'y a pas d'autres employés cachés. Oh, OK? OK. C'est OK, avec moi. Candiac, tu la surveilles, elle bouge, tu la butes. Là, c'est bon, on y va. Les canons sont aussi, ok? Personne, c'est bon, on peut remonter. C'est bon, la zone est sécurisée, les filles. Je crois qu'on a un problème.